en direct du Palais du Peuple. C'est sérieux ici. Les pétitionnaires se sont déchaînés. Les autres doivent partir. Landa konayo to yebi. Oh non, mais faut pas quitter, chers amis. Oh non, mais restons. Restons ici. Sacré! 5000 Mbappé sur un abo sanda. Il y a plénière à l'élo. Sacré! Sacré! Union! Ok. Union! Sacré! Union! Sacré! Union! Sacré! Ça va! Sacré! 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 Bagokende! Mabunda! Mabunda! Alléluia! Kitibe! Beto! Amen! Alléluia! L'autorité morale! Là, c'est le président. Hein? Après un combat. Le président du groupe parlementaire. Un grand combat. Hein? Voilà, les grands pionniers, hein? Les héros. Hein? L'initiateur de la motion. Voilà. C'est sérieux au Palais du Peuple. Madame Mabunda, les FCC veulent faire un forcing, mais les pétitionnaires sont déchaînés. Ils disent qu'ils ne peuvent pas leur laisser la voix. Mbote. Ekoufi. Kinkole. Ekoufi. FCC signifie Félix Champion du Congo. Félix Champion du Congo. Ah non, je viens d'arriver, j'étais pas là. Tu sais qu'on peut tout faire. Non, jamais. Jamais, ton fils. Jamais. Je viens d'arriver, j'étais pas là. J'étais pas là. Mbote! Mbote! Mbote!
Alors, pour tout vous expliquer, c'est que selon les règlements intérieurs, Madame Mabunda, l'honorable Mabunda, ne peut plus convoquer ni présider une quelconque plénière. C'est le doyen, suivant l'article 31 du règlement intérieur, dans son avant-dernier alinéa, c'est le doyen qui peut convoquer et présider la plénière pendant laquelle sera examinée, seront examinées d'ailleurs les différentes pétitions. Mais ici, on veut faire du forcing. On veut faire du forcing. Il percute. Bagokende. Alors, c'est le doyen seul qui peut d'une pétition. Donc la motion de soutien n'est pas réglementée par notre règlement intérieur. Donc ça ne tient pas debout. Non, jamais. C'est de l'invention de FCC. Donc Madame Mabunda doit partir. Le FCC est habitué à tricher durant 18 ans. C'est fini. Et vous pensez que maintenant que Fatshu est au pouvoir, il peut laisser ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plénière. Non, on ne peut pas tenir une plénière. Non, mais dès qu'elle est mise en cause, elle ne peut plus présider. Oui, elle serait jugée partie. Dès qu'elle a reçu la pétition, la correspondance, qui a déjà dépassé le 250. Montre ton visage. Voilà. Ok. Voilà le grand héros, il est là. L'honorable Mayembo est là. C'est le représentant des pétitionnaires, élu de la circonscription de Isangi dans la province de la Tchopo. Voilà. C'est un grand héros. Très chers collègues, en tant que votre président de l'Assemblée nationale, c'est sérieux. Voilà, pour avoir forcé la main, les députés se sont pris en charge. On a détruit les stades. Oui. On ne peut pas forcer la main. Il a dit aux collègues qu'ils étaient incompétents, mais nous, nous sommes compétents. Voilà ce qu'est devenu l'estrade, le bureau des membres, le pupitre des membres du bureau. Voilà, les grands héros sont là.
Dans l'ombre. Akokende. 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 Alingate. Akokende. Mabunda. Akokende. Oui. Oui, token. Salut Gisèle. Bonjour collègue, ça va? Et combien de Bitumba? Oui. Alors il faut éviter. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Et aujourd'hui, les représentants du peuple se prennent en charge pour dire que c'est fini, ce bureau doit partir, la majorité a changé de camp. Et c'est ce qui doit être compris et c'est ce que le peuple doit comprendre. Madame Mabunda ne peut pas être juge partie dès lors qu'une pétition a été signée contre elle de plus de la majorité absolue. Elle ne peut plus se permettre de convoquer une plénière. C'est ça, en fait, la réalité que nous suivons. Je suis en train de faire un live aussi au même moment. Nous condamnons les actes de vandalisme, mais comprenez, ça procède des réalités parlementaires, on ne fait pas du forcing. Bonjour. Bonjour. La pétition a été signée par plus de 250 personnes. Donc on ne peut pas tolérer une autre violation du règlement intérieur qui prévoit que lorsque la pétition est signée individuellement contre tous les membres du bureau, la plénière est convoquée par les doyens et non par le bureau qui est mis en cause. C'est ça le règlement, l'article 31 dans son avant-dernier alinéa. Donc l'honorable Mabunda ne peut plus
se permettre de convoquer une quelconque plénière. C'est ça, au fait, la réalité. Et nous sommes là pour ça, pour barrer la route et faire respecter notre règlement intérieur. Voilà. Je vous prie. Nalingala Tolobi Boye. Baimboka, ba député, oye basignaki pétition, baza bongo plus de 250. Et Mobeko Nabiso, l'Assemblée nationale et lobby, ceux qui ont signé pétition contre les membres du bureau, Bango Nyon sont à Moko Moko individuellement. Donc, Oyo Akobeng sa plénière, Zali Bongo Doyen, Oyo Amukolo Nabiso na Bamboula. Donc, présidente, Nani sortante, Mabunda Akoki Susu Kobeng sa plénière. Et Yango Bamonique, Bitumba et Bimimim même Awa, Babuki, Bisika, Ba Sale la Kawana. Alors, Biso, Tozawana, Bouébik, Honorable Poelande Bandai Masoloyo, à travers. Requête nanga na Conseil d'État et oyo tozo vivre et alinde continuité nango et tokoki kozala libanda te photo soutenir action nango. Voilà. Je vous en prie. Pardon? J'ai pas de carte ici. J'ai pas de carte. Oui, okay.